que vous êtes en train de vous poser depuis tout à l'heure. Je le sens. Et cette question est la suivante. Quelle est la relation entre ce nocturne de Chopin et l'image qui est projetée en ce moment sur l'écran pendant la diffusion de ce morceau? L'image qui représente, bien sûr, et là vous l'avez bien reconnu, une magnifique sculpture de la fameuse double hélice de la molécule d'ADN. L'ADN qui est le support physique et moléculaire de notre patrimoine génétique et héréditaire à tous. Alors, pour répondre à cette question et assouvir un petit peu votre curiosité légitime, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, mais une vraie histoire. Il était une fois un grand scientifique, un Américain, qui était aussi japonais, et qui s'appelait Susumu Ono. C'était un grand spécialiste de l'étude de l'évolution des organismes vivants au niveau génétique et moléculaire. Il a émis l'hypothèse dans ses travaux que les répétitions, et j'insiste bien sur le mot répétition car les mots ont de l'importance, les répétitions d'informations génétiques dans les séquences de l'ADN joueraient un rôle très important dans l'évolution des organismes vivants. Et dans ses réflexions, il a fait un parallèle entre les répétitions et les récurrences d'informations génétiques dans les séquences de l'ADN et les répétitions de thèmes musicaux que l'on retrouve dans des partitions musicales. Et après pas mal de cogitations et de réflexions, il a développé une méthode qui lui a permis de découvrir, caché derrière la séquence d'un vrai gène qui code pour une vraie protéine qui existe chez la souris, mais aussi chez l'homme, le nocturne de Chopin, opus 55, numéro 1, qu'on vient d'écouter. C'est extraordinaire de découvrir une telle résonance musicale cachée derrière une information génétique biologique. En fait, pour arriver à cela, ce chercheur naviguait sans cesse entre deux univers, celui de la science qu'il connaissait bien et celui de l'art qu'il a invité dans son propre domaine pour essayer d'expliquer et de comprendre le fonctionnement du vivant. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai bien envie de vous emmener dans un voyage qui permet justement de faire des allers-retours entre des univers artistiques variés et le monde de la biologie. C'est normal, je suis biologiste. Alors, voici par exemple comment les scientifiques observent sous un microscope électronique qui permet de très fort grossissement une simple bactérie. Mesdames et messieurs, je vous présente Sa Majesté Escherichia coli, la reine des bactéries commensales de nos intestins. À elle seule, cette bactérie E. coli, comme disent les intimes, représente plus de 80% des 100 000 milliards, non pas 2 000 sabords comme dirait le capitaine Haddock, mais des 100 000 milliards des micro-organismes qui colonisent nos intestins, le fameux microbiote. Eh bien, cette image est très intéressante pour les scientifiques, certes, mais pour le grand public, ce n'est pas très parlant, ça ne veut pas dire grand-chose. Du coup, on peut faire appel à de la peinture pour la représenter. Ceci a été fait par un grand scientifique américain, David Goodsell. Et on peut également faire appel à de la sculpture. C'est ce qui a été fait par un grand artiste britannique, Luc Jérôme, qui utilise la sculpture de verre soufflé transparent. Deux représentations sur un même thème pour présenter d'une façon un peu plus générale l'organisation de ces bactéries. Si maintenant on descend vers des micro-organismes encore plus petits, comme les virus, voici le virus de la grippe et le virus du sida. Deux virus, bien sûr, dont il faut se protéger, même s'ils vont le faire de façon très différente, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous faire un dessin. Certes, ces images sont très riches d'informations pour les scientifiques, mais pour le grand public, ça reste assez abstrait. Du coup, dans notre voyage, ce qu'on va faire, on va faire une escale en Californie chez David Goodsell et on va lui demander s'il voulait bien nous faire une peinture pour ces virus. Il est très sympa, il l'a fait. Et dans le voyage retour, on va faire une escale à Bristol chez Luc Gérard pour lui demander de le représenter ces mêmes micro-organismes avec sa technique de sculpture de verre soufflé. Il est aussi très sympa et il l'a fait. Ça donne ceci. Deux variations sur le même thème pour représenter l'organisation globale de ces virus, comment ils sont constitués, l'agencement de leurs composantes de façon artistique. Et on peut pointer certains cibles potentielles thérapeutiques pour lutter contre ces pathogènes qui continuent à sévir de par le monde. Si maintenant
on descend un peu plus bas dans l'échelle du vivant, on va rencontrer leurs composantes organiques, l'une de leurs composantes organiques que sont les protéines. Les deux autres composantes organiques du vivant sont bien sûr le sucre et la graisse. Mais ce soir, en cette veille de festivités culinaires de Noël, on ne va pas parler des choses qui fâchent. Voici comment les scientifiques voient une protéine tertiaire ou la conformation d'une protéine, pour dire simplement la forme spatiale d'une protéine. Il s'agit de la protéine fluorescente verte qui vit dans une méduse océanique et qui émet une magnifique lumière verte bio. Rien à voir avec celle de Sébastien tout à l'heure. Eh bien, cette protéine est très utilisée dans la recherche scientifique comme un outil. On l'utilise comme une lampe ou une lanterne pour certaines études. Eh bien, il n'y a rien de tel qu'une sculpture pour représenter un objet dans l'espace. Vous êtes bien d'accord? Du coup, on est encore en Angleterre et on va faire une escale à Sheffield, chez une artiste japonaise qui utilise de l'origami. Et elle est très sympa aussi. Elle nous a fait une origami de cette même protéine GFP fluorescente. Ça permet d'expliquer l'organisation globale de cette protéine, les différentes parties organisées en hélices, en feuillets, et comment ça fonctionne. Quand on voit cette merveille, on ne peut que se poser la question, comment une cellule peut fabriquer une protéine? Autrement dit, comment les protéines sont-elles constituées au niveau moléculaire? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous invite, je ne vais pas vous raconter une histoire comme tout à l'heure, non. Je vous invite à faire un exercice ensemble et qui va faire appel à de la musique. Comme vous savez tous, pour faire de la musique, on a besoin de 12 notes de musique. Avec ces 12 notes, un compositeur de génie va nous offrir une composition comme celle-ci, une œuvre très intéressante. Et avec les mêmes 12 notes de musique, un autre compositeur va nous offrir quelque chose de tout à fait différent. Il y a différents éléments qui caractérisent ou qui définissent une partition musicale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux d'entre eux. Le premier élément qui caractérise une partition musicale, c'est d'abord l'ordre avec lequel les notes de musique apparaissent. Et le deuxième élément, c'est la longueur de la partition, autrement dit, le nombre total de notes de musique. Celle du haut dure 4 minutes 05, quelques centaines de notes. Celle du bas dure plus d'une heure. Des milliers de notes, mais toujours avec les mêmes 12 notes élémentaires à la base. Eh bien, pour faire des protéines, les cellules vont faire appel exactement au même principe de construction que ce qu'on vient de voir pour la musique. Pour faire des protéines, la cellule va utiliser 20 unités élémentaires qu'on appelle des acides aminés. Ce sont des petites molécules chimiques dont on connaît la formule, elles ont un nom, et les scientifiques leur attribuent une lettre de l'alphabet pour des raisons de simplicité. Eh bien, telle une partition musicale, une protéine est constituée de l'enchaînement dans un ordre bien précis de ces acides aminés et contient un nombre total d'acides aminés, lui aussi bien précis et spécifique des 25 000 protéines que vous êtes en train de synthétiser dans vos cellules humaines. Et une fois fabriquée, la protéine va s'organiser dans l'espace pour adopter une forme, une structure fonctionnelle. C'est grâce à cette architecture que la protéine peut fonctionner. C'est ce qu'on appelle la relation structure-fonction. Voilà. Ah, je crois qu'il y a des gens à droite de la salle qui veulent me dire quelque chose. Oui, je vous écoute, allez-y. Dites, monsieur Mohamed, mais vous pouvez m'appeler Momo parce que tout le monde le fait, ça ne me dérange pas du tout. D'accord? Si maintenant on attribue une note de musique à un acide aminé, il est alors tout à fait possible de traduire la séquence d'acide aminé en une partition musicale. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Ah, il y a des gens à droite qui ne sont pas d'accord. À gauche, plutôt. Dites, monsieur Momo. Ah, vous voyez, ça marche à tous les coups. C'est bien joli, votre histoire. Mais vous nous dites que pour faire de la musique, il faut 12 notes de musique, alors que pour faire des protéines, il faut 20 acides aminés. Hein? Alors, comment faire pour avoir une correspondance juste pour appliquer ce que vient de proposer les gens de droite là dans la salle? Il y a quand même un petit bémol dans cette histoire, n'est-ce pas? Je crois que les gens de gauche, ils ont un peu mieux suivi ce que je viens de dire que les gens de droite. Et n'y voyez aucune connotation politique, s'il vous plaît. Eh bien, nous, les scientifiques, on est certes des têtes en l'air, comme le
professeur Tournesol, un peu désordonné, mais quand il s'agit de science, on aime bien classer les choses. On est très rigoureux pour ça. Du coup, les acides aminés, on peut les classer dans des sous-groupes, parce que certains ont des propriétés physico-chimiques très similaires. Certains sont, par exemple, comme des poissons. Ils aiment l'eau. On les appelle hydrophiles. D'autres, au contraire, ils sont comme des petits chats. Ils ont une phobie de l'eau. D'ailleurs, moi, j'aime bien les appeler les chassides aminés. Hydrophobes, bien sûr. D'autres sont un peu excités, électriques, ils ont une charge négative ou une charge positive, etc., etc. En faisant ce travail de tri et de classification, on aboutit facilement à avoir 12 groupes d'acides aminés auxquels on va attribuer une note de musique et le tour est joué. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que chacun de vous ici présent, ou vous qui nous regardez au Sénégal ou en Roumanie, vous êtes libre, et on est au pays de la liberté par excellence, d'attribuer la note de musique de votre choix à tel ou tel groupe d'acides aminés. Ainsi, chacun de vous est capable d'obtenir sa propre partition musicale de telle ou telle protéine. Et un jour, ou peut-être une nuit, deux Américains se sont invités l'un chez l'autre. Marianne Clark, biologiste, et John Dune, informaticien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette nuit-là ou ce jour-là. Par contre, ce que je sais, c'est que de cette rencontre est né non pas un bébé, mais un algorithme qui est inspiré de ce qu'on vient de voir exactement à l'instant. Et cet algorithme permet de traduire la séquence d'acides aminés de n'importe quelle protéine vers son équivalent en partition musicale. Ainsi, on peut découvrir la symphonie de l'hémoglobine, le blues de l'insuline, le rock de la kératine, ou, que sais-je, le swing du collagène. Va savoir. Voilà, si mon histoire, on peut la mettre entre parenthèses, avec celle d'ouverture était le Nocturne de Chopin, celle de sa fermeture va être aussi un morceau musical, celui d'une protéine. Elle s'appelle la spidroïne. La spidroïne, c'est la protéine qui constitue les fils de soie d'une toile d'araignée. J'aime beaucoup les araignées. Et rassurez-vous, je ne suis pas Cédric Villani. D'accord ? Vous avez bien remarqué que je n'ai pas d'araignée sur le côté. Ni au plafond, j'espère. Eh bien, sachez que cette protéine qui constitue la soie de la toile d'araignée représente la matière la plus résistante, la plus solide et la plus élastique et la plus légère qui existe. Imaginez une araignée en train de faire un seul fil de sa toile, mais qui ferait le tour de la Terre. Eh bien, ce simple fil qui ferait 40 075 km ne pèserait que 420 grammes. Et sa résistance et sa solidité est due à des répétitions de certaines séquences d'acides aminés, qu'on va d'ailleurs retrouver dans son équivalent. Alors je vous invite à fermer les yeux si vous avez peur des araignées, à ouvrir bien vos oreilles et à vous imaginer par une belle nuit éclairée en train d'écouter la résonance musicale de la protéine d'une toile qu'une araignée est en train de tisser sous la lumière nocturne d'un clair de lune. Magnéto, Serge. De la même façon. D'accord ? Alors, pour finir, merci. Pour finir, j'espère que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui vous a bien illustré la transversalité possible entre différentes disciplines. L'invitation de l'une chez l'autre permet de partager le savoir de façon, j'espère, pédagogique et ludique, permet aussi de partager des passions et d'avoir aussi un autre regard sur son propre travail et sa propre discipline. Et ceci rejoint ce qu'a dit le grand philosophe, poète et écrivain français Paul Valéry, à qui je laisse le mot de la fin sous la forme d'une citation. « Il eut une fois quelqu'un qui pouvait regarder le même objet comme lui regardait un peintre ou un naturaliste, parfois comme un physicien, et d'autres fois
comme un poète. Et aucun de ses regards n'était superficiel. Aucun de ses regards n'était superficiel. Merci infiniment.